Salut à toutes et à tous, c'est Blitster, et décidément, on lui en veut à ce Goku, on lui en veut vraiment. Mais c'est pour la bonne cause, les gars. Et pour ceux qui se demandent, oui, effectivement, j'ai ressorti ma Team Saga de Boo, la V2, mais avec des modifications dedans. Voilà, donc vous l'avez vu hein, dans la miniature et dans le titre de la vidéo, mais on est là pour ce beau gosse. On est là pour tester ce beau gosse et clairement, pour ceux qui ne s'attendaient pas grand chose, ah mais clairement vous allez être surpris, les gars, il est juste trop puissant ce personnage, juste trop puissant. Donc, le Ultimate Gohan technique. Alors, on va pas se servir de son leader aujourd'hui, mais c'est bon de le rappeler. Ki plus 3, PV plus 130% et attaque et défense plus 170% pour la catégorie sauveur ou Saiyan 200 mêlée. La catégorie sauveur, on va y repasser après pour checker les catégories. C'est pas bien ouf. Je vous dis clairement, je vous l'avoue, c'est pas bien ouf. Autant clairement jouer Saga de Boo, voilà. Mais sauveur, c'est pas, c'est un autre prétexte, hein, voilà, tout simplement. Mais sinon, attaque spéciale augmente fortement l'attaque et la défense. Et inflige des dégâts immenses. Alors déjà, vous avez bien entendu, c'est fortement. C'est pas grandement, c'est pas augmente attaque et def, c'est fortement. Donc, c'est quoi, à hauteur de 50% si je dis pas de bêtises. Déjà, rien que là, ils ont craqué. Rien que là, ils ont craqué. C'est n'importe quoi. Donc, sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, son petit passif. Son petit passif, attaque et def plus 140%. Déjà, rien que ça de base. Voilà aussi. Mais le pire, c'est que c'est pas terminé parce que à chaque début de tour, qui plus 1 jusqu'à un maximum de 3, et garde activé contre toutes les attaques. Donc, déjà, on part avec un personnage qui, en début de combat, part à environ 100 KDF avec une garde. Je peux vous assurer que le perso, tour 1, il prend 0 dégâts. C'est juste n'importe quoi. Bon, après, c'est le Goku Rush. Donc, c'est vrai que sur les phases, au début, il prend rien. Il prendra rien, le personnage. Faudra le tester aussi en Battle Road parce qu'à ce moment-là, ça risque d'être un peu plus compliqué. Mais je pense que ça devrait pas lui poser de problème. Il doit rouler dessus, tout simplement. Et sinon, si la garde est activée, attaque plus 40% pendant le tour en question. Donc en vrai, ça vous rappelle peut-être quelque chose. Peut-être le passif de Oups, il prend une attaque, il a un up d'attaque. Voilà, tout simplement. Donc, sinon, pour sa transformation, il n'y a pas de condition. Juste 5 tours. Sans condition, voilà, tout simplement. Après, renforcement, tout simplement, bah, on va repasser sur son attaque, enfin, ouais, du coup. Augmente fortement l'attaque pendant un tour, inflige des dégâts, immenses et chance moyenne d'étourdir l'ennemi. Donc, au Goku Rush, la chance moyenne d'étourdir l'ennemi, ça va pas fonctionner. Mais, du coup, on va voir que à force de stack, le petit... Ou les dégâts, voilà. Donc, son passif Ki plus 3, attaque et def plus 158%. Plus 158%, pardon. On va y arriver. Garde activée contre toutes les attaques. Si la garde est activée, attaque plus 58%. C'est pas pour le tour en question. Là, c'est pour tout le combat. Donc voilà. En face d'un seul ennemi, seul dont les PV sont à 58% ou plus, ou s'il y a un ennemi de la catégorie Saga debout, attaque extrêmement efficace contre tous les types. Rien que ça. Voilà, ça pose les bases. Ça pose les bails, les bases, voilà. Et on va voir que même après sa transformation en termes de défense, le perso c'est juste une dinguerie. Bon. Sinon, rotation, on en parle vite fait. On va le jouer le petit Gohan technique avec l'Ultimate Gohan. Voilà, parce qu'il partage 4 ou 5 clés en commun, je ne sais plus. Et sinon, après le reste de la team, je ne vous la présente pas. Si vous voulez voir un test de la team... d'une team Saga de Boo différente, n'hésitez pas à aller voir. Je mettrai le bouton i en haut à droite. Et sinon, c'est vrai que moi tout à l'heure je m'attendais pas à faire une game en Goku Rush sans item pour pouvoir tester la team qui est passée largement, hein. Voilà, on a eu quelques petites sueurs, voilà, je vous le cache pas, mais sinon la team elle se débrouille plutôt pas mal. Donc je pense qu'on va faire un petit cut, je sais pas, je verrai, mais là on n'a pas du tout les bonnes rotations. Donc, bah, nous revoilà tout simplement et avec pas les bonnes rotations, mais c'est pas grave. En vrai, c'est pas grave, on part. Ça nous évitera d'attendre trop longtemps aussi. Et sinon,
Bon, bah, on va laisser tout simplement ce cher Gohan Ultimate pour pouvoir stacker, hein. Donc là, on va pas pouvoir, voilà. Donc clairement, à côté d'Ultimate Gohan Puissance, ce Gohan-là, clairement, il a atteint presque les 100K def, donc il n'y a aucun souci. Sinon, bah, on va le faire partir en attaque spéciale, tout simplement. Hein. Voilà, les gars, on va pas s'embêter. Bon, il est pas à côté de son sos, mais on va plutôt observer déjà ce que ça peut donner sans. Donc, ça donne quoi? 1 million 4, sans être à côté de son meilleur ami. Donc, c'est plutôt pas mal déjà en termes d'attaque pour la première apparition. Donc, première apparition, bon, donc T1. Il tape à 1 million 4 sans être à côté d'Ultimate Gohan. Et il se tape le luxe d'avoir 80K def. Voilà, plus la garde. Donc, clairement, là, il aurait pris 0 dégâts. Et ça, c'est plutôt cool. Donc là, bon, Goku, techniquement, est censé mourir. Ah oui, je précise, je n'ai pas de doublon sur mon Ultimate Gohan. Voilà. Voilà. Donc. Ah, et j'en profite qu'on soit encore en début de vidéo. Le lien, j'ai un Discord. Donc, pour ceux qui se demandaient, donc Discord, lien dans la description. Tout simplement, les amis. Et ainsi que Twitter et Instagram si vous voulez aller faire un petit tour, même si je suis pas très actif sur Twitter et Instagram pour le moment, mais ça peut changer des fois, on ne sait pas, on ne sait pas les gars. Pour ça, allez check, on ne sait jamais. Donc, ce tour en question, on va un petit peu garder aussi parce que à combien j'ai vu 3 millions, ouais, après je sais pas s'il a donc 3 millions 9. Donc quasi 4 millions. Il doit avoir des doublons. Ah bah non, oui, c'est. Oui, pardon, c'est le mien 100%. Je pensais que c'était le puissance. Autant pour moi, les amis. Donc, là, j'ai pas fait gaffe à l'attaque. Donc 1 million 4 pour l'Ultimate Gohan. Bon, lui, il stack juste l'attaque. Hein, donc au final, voilà. Et la chance aussi, c'est moyenne, je sais plus. D'activer la garde. Donc voilà, clairement, si on se prend des attaques sur lui, on est mal. Hein, donc là. Donc, T2, sans avoir Ultimate Gohan. Ah oui, par contre, il y a un support. Avec, il y a Tenshinhan support. Mais voilà, là, on va laisser en première position. Et puis, on va voir ce qui va se passer, hein, clairement, les gars. En vrai, est-ce que c'est réellement une surprise en soi? Est-ce que c'est réellement une surprise? Je ne pense pas. En vrai, je ne pense pas. Bon, le Tenshinhan ne partira pas en SP, mais bon. Donc, on a vu le multiplicateur d'attaque augmenter. Enfin, du coup, la valeur. Donc voilà. On part à 600 000 d'attaque. Donc 2 millions 4 en ayant mangé une attaque avant. C'est bon, hein? C'est pas mal. C'est pas mal. Voilà. Voilà. Donc, là, nous revoilà. On a la transformation. On va pas l'activer maintenant. Parce que ça serait un petit peu du gâchis. Et on peut voir que là, pour le moment, bah, il n'y a pas réellement comment ça s'appelle? De lien d'activer. Que ça soit au milieu ou là, de toute façon, ça reste les mêmes. Voilà. Lui, il a un petit peu plus. Voilà, vitesse époustouflante. Il me semble que ça proc avec lui, c'est pour ça. Voilà, c'est pour ça. Donc, le Gohan. Voyons voir maintenant à côté. Enfin, sans support et à côté de son meilleur pote. 236K. Voilà, ça pose les bails. Tranquille. Voilà. On est bien. On va partir en attaque spé. Donc là. L'Ultimate Gohan, bah si, on va le faire partir en SP aussi. Bah, quoique, en plus, de toute façon, il est mort. Donc, au final, ça sert à rien de le faire partir en SP. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Combien on monte là? Donc là, 700 000 d'attaque. Oui. 2 millions 4, ça n'a pas réellement changé en soi, mais. Ok. Je pensais qu'il allait partir un peu plus haut, mais non. Oh, le trait LR, le trait Z LR même, les gars. Voilà. Donc 1 million 6 pour l'Ultimate Gohan. En vrai, bah lui, après, il va tout le temps augmenter son attaque, augmenter son attaque. C'est dommage qu'il n'y a pas le stack de def, mais. Voilà. Donc l'attaque a été voilà, réduite. Voilà. Donc. Bon, bah. On est à combien en def? 300K? 300K def. On va prendre les ki, on va se régène. Voilà, je vous laisse observer. Voilà. Bon, certes, on a pris un petit peu beaucoup de ki, mais c'est pas grave, c'est pas grave. On va encore observer ce tour, les amis. Bah, quoique après, de toute façon, au final, ça, observer ce tour ou ne pas l'observer, ça va revenir au même. On va prendre 0 dégâts, à part sur l'Ultimate Gohan si on se mange l'attaque ultime. Enfin, l'attaque ultime, l'attaque spé, mais c'est pas grave. Donc voilà.
Ah, 85, 2 millions 6, allez, hein, c'est la fête, hein, c'est la fête. Clairement. Ah, ce Gohan. Ce Gohan. En vrai, je suis excessivement content de l'avoir eu. Ah, il a activé la garde. Ah, le Gohan Ultimate a activé la garde. Pour se manger 4000 de dégâts, c'est tout. Bon. Les gars, tout simplement, et les filles, hein, parce que si on a sur la vidéo, bah, on va se retrouver, on va faire un cut. Et on se retrouve pour la phase de Migate Intelligence. Comme ça, le test de ce Gohan ne sera pas très très long. Ah, allez, oui, c'est vrai, les amis. Je tiens à revenir sur un truc qui risque d'être intéressant à vous montrer. Sachant que bah, le test serait potentiellement programmé pour quand je ne sais pas, hein, mais il est programmé. Hein, c'est test lien 10, voilà, d'un certain Végéto. Voilà, je vous spoil un petit peu dans cette vidéo, mais quasi full le lien 10 sur les liens de défense. Pas lien 10. Voilà, juste comme ça. Je suis venu à vous le faire signaler. Donc. Je le mettrai dans la vidéo si j'y pense. Mais du coup, voilà. Hein, voilà. Végéto, quasi lien 10. Ça donne ça en def. Et oui, les gars. Bon, alors, les gars, je sais qu'on avait dit qu'on devait se retrouver sur la phase du Migate Intelligence. Mais je pense qu'on va quand même faire autre chose. On va se retrouver ici. Déjà, pour checker les défenses. Voilà. En défense, il a quasi 600k. Voilà. On va continuer à le faire stack encore un petit peu si on peut. Et je pense que normalement on devrait pas se prendre une attaque spéciale sur l'ultimate Gohan puissance. Donc, on va quand même faire ça. Ah, c'est dommage, on aurait bien gardé ça pour le Goku SSJ de Ange, mais bon, on le revoit pas pendant un certain nombre de tours. Donc au final, c'est pas intéressant. Et ce que je veux, c'est surtout. C'est garder ma transformation, pas pour ce Végéto là, mais pour mon Végéto qui se trouve dans l'autre rotation. Donc voilà, déjà 122, on prend que dalle, hein, je suis désolé. Voilà, on part à 3 millions 6, si j'ai bien vu. Ouais, 3 millions, ouais, à environ 3 millions 6. Voilà, maintenant 0 dégâts activés sur Gohan Ultimate. Enfin, Gohan, pardon, juste Gohan Tech, parce que c'est pas encore Ultimate. Donc voilà. Bon, j'espère juste qu'en vrai, l'attaque spé, on se la mange pas sur lui, hein, parce que là, on risque de le sentir passer, et ça risque de faire très très mal. Surtout s'il active pas la garde. Déjà, on prend 74k, ok. Donc, c'est bon, ça passe. Donc là, franchement, la cascade qui est passée, on est bien. Là, on va pas commenter le Végéto, parce que bah, c'est pas, je trouve pas ça très intéressant, mais voilà. Bon, ok. Bon, je voulais... Voilà, quand je parlais de l'autre Végéto, je parlais pas de celui-là, bien sûr. Je parlais du puissance. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Bah, c'est un peu chiant parce que du coup, il va manquer le lien Super Saiyan. Mais bon. Là, on a de la chance. Le Tenchinan ne prend pas de dégâts à la fin. Et ce qui est impressionnant aussi, c'est que... bah, on a quasiment pas pris de dégâts sur le... Enfin, du moins, on a esquivé quasiment tous les dégâts sur l'Ultimate Gohan. Parce qu'en vrai, c'est vrai que quand j'ai fait le cut... Ah, il y avait aucun... À aucun moment, l'Ultimate Gohan... Il n'a pris des dégâts hein, sur les autres phases d'avant. Ah, zéro. Donc, là, le Tenshinhan. On va prendre les sphères de Kiki. Ils sont ici. Oh, combien on va prendre? 162 000. Ok. Je m'attendais à pire, en vrai. Je m'attendais à un 200K. Bah, quoique à 400 000, pardon. C'était presque le cas. Mais là, du coup, auto-attaque zéro. Hein. Auto-attaque zéro. Voilà. Et maintenant, full contre. Allez, hop. Full Kunta. Je sais, c'est pas dans ce manga là, mais bon. Les crits ça serait bien, Végéto. À un moment les crits ça serait bien. Je fais aucun dégât là. Les crits ça serait bien, réellement. Ah, voilà. Migate, fais pas ça. Commence pas à faire ça s'il te plaît. C'est pas bien. Crit, mais c'est pas possible ce personnage. Bon, le Tenshinhan, 1,6 million, c'est vrai qu'il peut monter à 1,9 million, mais à côté du Ultimate Gohan Puissance, je sais plus si on l'avait vu tout à l'heure ou pas, mais je tiens à le signaler. Donc voilà. Voilà les gars. Voilà les gars. Là, bah clairement, en fait... Qu'est-ce qu'on fait? J'ai pas envie de le transfo maintenant. Parce qu'on est quasi à 1 million. C'est pas grave. C'est pas grave. Vous savez quoi? Juste parce que j'ai un peu peur de me prendre quelque chose... On va activer un fantôme. Parce que le showcase n'est pas terminé. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas encore vu la forme ultime. Et la forme ultime, je vais la garder pour après.
Donc, on va faire ce tour-là. Et si jamais on ne bat pas ce tour-là, on fera un cut après cette rotation-là pour la phase intelligence. Parce que c'est là qu'on va rire. Oh! Ah oui, c'est vrai, on n'a pas pris de dégâts avant. Donc, c'est pour ça. 2,6 millions. C'est pour ça. Vous inquiétez pas, c'est pour ça. Bah oui, évidemment, puisque j'ai désactivé les dégâts ce tour-là. Donc, ouais. Donc, voilà. Normalement, on ne tue pas. Donc, les gars, ce qu'on va faire, c'est qu'on se retrouve bah, directement après pour le Migaté Intelligence. Alors, désolé, on revient, mais je suis obligé de vous montrer le Dokkan Mode, au moins. Oh. Oh. Merci le jeu. Merci, t'es très sympa. Dokkan Mode sans que ça soit la forme Ultimate. Hein. Donc, on a stack comme un gros porc sur cette phase. Donc, là, clairement, je pense qu'on n'est réellement pas prêt. Je ne suis pas encore monté aussi haut pour tester le Gohan. Mais après... ça va être juste un gros, gros délire. Voilà le one shot. Voilà. Je sais pas combien on est sur une partie, je sais pas. Donc, on se retrouve après, encore une fois. Donc, les gars, nous revoilà pour... Ah, bah en plus, c'est parfait. Le truc, c'est que je voulais attendre pour l'autre Végéto. Mais le truc, c'est que là, bah en fait, je veux voir où est-ce qu'on se mange l'aspect. Donc, voilà. Si on s'en mange une sur au milieu derrière, ça va mal se passer. Donc, checkons ce qu'on a. 1 100 000 en attaque. Vanilla, non, mais en ayant stack. Avant d'attaquer. Quasiment 800 000 de def. Les gars, c'est juste une tuerie ce perso. C'est juste n'importe quoi. Et là, je pense qu'on est bon pour la transfo. Allez. Donc, 1 200 000, ok. Sachant qu'il va avoir l'attaque. On a gagné de la def. Voilà. Juste comme ça, on a gagné de la def. Donc, yes. Et ben, on va gagner aussi 58% derrière. En espérant juste que l'aspect elle, soit dans les deux premières. Enfin, dans les deux premières rotas de Goku. Et là, du coup, je sais très bien. Donc voilà, je sais, on aurait dû activer l'autre avant. Hein. Bah, on n'a pas d'attaque spé. Le truc, c'est que... ouais, Ultimate Gohan va prendre Taro. Donc, moi, ce que je propose, c'est quand même de... bah, en fait, non, si on meurt là, au final, c'est pas très très grave parce que on est là pour voir à combien il tape. Et... ouais, je sais pas si on va mourir en vrai rien qu'avec des auto-attaques. Donc... c'est parti. C'est juste parti, les gars. Mais l'OST de Super Végéto, oh là là. Ils l'ont tellement respecté, ce personnage. 42. 41. 0. 5,6 millions. C'est pas mal. Il n'a pas l'esquive. Donc, on a attaque efficace. Donc, voilà. 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 Il n'a pas de contre-type. Il connaît pas. Au-dessus de 50% PV, il connaît pas. C'est du n'importe quoi, ce perso. Voilà. Ah, garde activée. Garde activée. Garde activée. Garde activée. Je sais même plus si oui, c'est encore actif. Ouais, parce qu'on avait claqué un oui juste avant pour éviter de mourir. Mais... donc, il y a peut-être bien moyen. Donc là... voilà, hein. En vrai, voilà. Voilà. C'est... On va garder ces tours-là aussi. Mais voilà, les gars. Voilà. On se mange une attaque spéciale ici, c'est pas grave. Mais bon, au moins déjà, on va essayer de se faire un autre tour derrière. Même si là, je pense qu'on va peut-être potentiellement mourir. Mais on va voir, on va voir. Mais franchement, voilà, le Ultimate Gohan, un délire les gars, un délire. Donc, franchement, vous l'avez eu. Si vous avez 3 doublons et que vous avez décidé d'ouvrir la branche en bas à gauche, mettez-le pas en défense. Le nœud,
mettez-le en récupération de PV. Parce qu'en vrai, la défense, il n'y a pas besoin. Voilà. Vu qu'il a déjà son stack. Enfin, pour moi, pour ma part. Hein. Moi, personnellement, c'est ce que je ferais si j'aurais 3 doublons. Donc, voilà. Mais, ok, ouais, 200 000. Bah, ça va, tranquille. Après, sur Tenshinhan, on va pas prendre énormément. Mais on va pouvoir encore observer un tour avec le Gohan derrière. Et puis, on sera tranquillement tranquille. Donc, le Tenshinhan, 1,6 million. Mais bon, Tenshinhan, voilà, quoi. Il fait totalement le café. Il fait totalement le café. Voilà, on est bien. On est bien, on est bien. Et donc, du coup, pour cette phase, qu'allons-nous faire? Eh ben, nous ne mangeons pas d'attaque spé, déjà. C'est plutôt pas mal. On va faire... Ah, mince. Bon, bah, c'est pas grave. Bah... Ah, juste avec une sphère de ki. On dit un orbe et une sphère de ki. On récupère combien de PV? Voilà, juste avec un orbe. Hein. Bon. Vous êtes content? Moi, oui. Vous êtes content? Moi, oui. Et là, du coup, bah, le Goku va se faire plaisir hein, à la régène, voilà. Voilà, voilà. Bah, je veux pas dire que cette team est quasi increvable. Parce que le Ultimate Gohan Puissance date quand même au niveau défense. Et c'est il prend tarot, hein, mais... Ah, on est tranquille. Oui, on a plus les dégâts supérieurs, par contre. Donc, on fait quand même moins mal. Mais on voit que... Le Goku nous fait aucun dégât. Le Goku nous fait aucun dégât sur un type technique. Vous vous en rendez compte, les gars? Type technique, aucun dégât sur le Goku. Enfin, sur le... C'est nimp. C'est nimp. Je pense qu'on va s'arrêter ici. D'ailleurs, je sais même pas si on va passer... Si on va passer avec les végétaux derrière. Alors, bah, de toute façon, en plus, végétaux, il va avoir droit à sa transformation. L'autre. Alors, là, clairement, en plus... Oh. Bah, on va terminer sur des contres, voilà. Et là, c'est le cas de le dire, hein. Full Kunta. Ah, ouais. Et ouais, ça, c'est juste le kiff de la fin de la vidéo, en fait, hein. L'OST de végétaux, l'OST de végétaux. C'est juste du gros n'importe quoi. Alors, bah là, oui, en fait, là, quasiment, bah, on se mange pas d'attaque spé. Donc, c'est open bar, hein. Allez, spé ultime. Spé ultime. Et spé ultime. Donc, bah, je pense que le Goku, là, est mort. Donc, les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à... Comme je... Bah non, j'ai pas dit en début de vidéo, donc ça c'est bon. Mais si... C'est pas grave. Au moins je fais un rappel, si jamais ça a été fait. Mais n'hésitez pas à vous abonner pour les nouveaux. À lâcher un pouce bleu, même pour les anciens. Lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Quoi d'autre? Le petit partage. Ça peut faire plaisir éventuellement pour essayer de se faire un petit peu plus connaître. Donc voilà. Et quoi dire d'autre? Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, il va se faire ouvrir. Un petit crit? Pas de crit, mais c'est pas grave. Là, s'il n'esquive pas, voilà. Merci. Ça sera le contre de fin de Végéto, même si c'était le showcase de Ultimate Gohan Technique. Et puis, encore un petit rappel, si vous êtes encore là jusqu'à cette fin de vidéo, bah, Discord, Instagram et Twitter dans la description. N'hésitez pas à vous faire plaisir. C'était Blitster et je vous dis tchuss tout le monde.